Bonjour à vous toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau live. Hello everyone. I hope you are okay and in a good health. And I am happy to see you for this new tape. And hola a todas. Espero que estén bien en una buena salud. And estoy encantada de volver a verte en este nuevo live. Bon dia Isabelle. Alors donc je vous disais pas de problème de connexion en vue parce qu'aujourd'hui on est à l'atelier. J'ai toute l'équipe là qui est en face de moi. Et voilà, c'est drôle, c'est la première fois. Il y a Virginie qui vous fait coucou. Il y a Sandrine cette fois-ci qui est derrière l'ordi. C'est elle qui va vous donner toutes les informations. Et Patricia qui bosse moi. pour sortir la collection des cuistots, sinon on va être en retard. Voilà, donc bah, c'est magique la fibre optique. So, no connection problem today because we are in live from my workshop with the optical fiber. And so it's magical. Christelle, on trouve les Salomé, celle que tu présentes pour la montagne. Il faut attendre Nadine, ce sera pour bientôt. Alors, ningún problema de conexión del live ahora porque estoy en mi taller du Bourgoin-Jallieu con la fibra óptica. Donc, les actions. On vous dit bonjour, les filles. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors, les actualités, la roulotte. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'actualités. À la fin, j'aurai des petites surprises. J'ai des nouveaux modèles à vous montrer. Mais les actualités, ben, il n'y en a pas. Il y a le premier live de la roulotte lundi. Hein, vous êtes toutes dans les starting blocks. J'ai vu que vous étiez prêtes, donc c'est cool. The news, the SL trailer. So, first live on Monday, May 3. And I saw all, you are all in the starting block. So, it's a good things. And en español, el SL de la caravana. Primero, la fecha del primero live es lunes 13 de mayo. Et voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres carrés, Nathalie? Ben, pas pour l'instant. Il y en aura, mais là, j'ai destiné d'autres choses. On va passer un petit peu à autre chose. Bonjour Sylvie, parent du Québec. On a votre commande qui part aujourd'hui, je crois, pour le Québec. C'est ça, on me fait comme ça de l'autre côté. Donc, Sylvie, ça part aujourd'hui. Je voulais vous présenter un petit kit là, parce que je ne l'ai pas souvent avec moi et je l'adore. Et les filles m'ont dit, mais pourquoi tu la montres pas? C'est notre petite pochette bleue qui est super pratique pour glisser tous vos accessoires et votre ouvrage en cours. Alors, je pense que vous la voyez comme ceci. I want to show you our blue pouch. I love it and it's super practical to slip inside accessories and your work in progress. Y quería mostrarte nuestro estuche azul, bolsillo azul, que me encanta y es super práctico de aislar los accesorios y el trabajo. Alors, je ne sais pas si on va la voir, si je la mets comme ça. Ah, bah oui, mais je n'ai pas prévu, mon amoureux. Bon, c'est pas grave. Ah, si, il fait tout directement. Donc, voilà, elle est ici. J'adore ces fleurs un peu modernes. Je vais peut-être enlever un peu du zoom. Ah, je ne peux pas enlever plus aujourd'hui. Mais vous voyez, puis à l'intérieur, vous pouvez facilement glisser votre petit cercle à broder, vos aiguilles, vos trifiles. Et on me dit, tes lunettes aussi, tu peux les mettre dedans si tu veux. C'est chouette d'avoir les filles en face de moi. Donc, voilà, ce n'est pas un nouveau modèle, mais je n'ai pas beaucoup communiqué dessus. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que je dois vous dire? J'ai tout noté. Donc, on va revenir à notre petit… bonjour à toutes les nouvelles. On a 70 personnes en plus là depuis tout à l'heure. On va revenir… à notre SAL, donc je voulais vous féliciter pour toutes vos propositions et le travail de l'étape 3. J'ai vu qu'il y a un peu plus de boulot, hein, vous avez mis plus de temps pour poster.
Just let me speak about the SAL, and I want to congratulate you for your work for the step three of the haberdashery push, and well done for all stitches. And hablamos del SAL, y quería felicitarlo por sus trabajo para el paso 3 del bolsito de mercería. Et voilà. Alors, pour les nouvelles qui trouvent ce groupe aujourd'hui, donc si vous voulez broder cet ouvrage qui est ici, vous pouvez donc soit l'acheter sur notre site internet, soit le kit complet, soit la toile imprimée, soit le PDF. For the new which find us on this group, and if you want to work to embroider this this pretty push, you can buy the complete kit or only the printed fabric or also only the PDF en español para las novelas que nos encuentren en este grupo. Si desde bordar este labor, puedes comprar el kit completo, solamente la tela impresa ou solamente el PDF también. Bonjour Michel, ça y est, je vois que ça répond, vous répondez à vos questions. Pourquoi, croisons les doigts, ce ne soit pas grave, il y a quelqu'un qui a dû y avoir un petit souci, c'est ça? Non? Bon, je ne sais pas. Je voulais vous rappeler aussi que toutes les vidéos resteront sur le groupe de la page Facebook, ainsi que sur notre page YouTube, hein. Chloé les poste régulièrement, le temps de les mettre en page. Novedades, muchas gracias, Sani. I remind you, all the videos will remain on the group of the page, Facebook page, as well on our YouTube channel. And les recuerdo que todos los videos permanecerán en el grupo de la página de Facebook, así como en canal de YouTube. Voilà, bon dia, Dulce. On y va, on va attaquer l'étape 4. Donc, vous savez que je ne vais pas broder la totalité des lignes, hein. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis exemptée de finir toutes les broderies. D'ailleurs, au final, ma petite pochette, elle ne va pas ressembler à grand-chose. Mais vous, vous n'avez pas le choix. Hein. Faut broder toutes les étapes les unes derrière les autres. On a 4 points aujourd'hui à voir, plus 4 points à réviser. Je vous laisserai les réviser après. Je vois parler le live du Japon. Ouais, j'ai un petit live du Japon demain, mais c'est tout en anglais. Hein. Ce n'est pas la même ambiance. Hein. Si vous jetez un coup d'œil, ça ne rigole pas trop. C'est hyper sérieux, mais c'est comme ça. So, we have 4 stitches to see today and 4 already learned. And of course, I could not embroider all the lines, but we will finish them at your home for the next live. And tenemos 4 puntos nuevos hoy y 4 puntos más ya aprendidos antes. Voilà, et vous allez préparer vos aiguilles, vous allez préparer votre cercle de 10 cm, vos ciseaux, vos trifils, vos lunettes, vos lumières. Et je vous rappelle que tout est disponible sur notre page web. Ah oui, la petite pochette bleue aussi, hein, vous la trouvez dans les... Il faut que je présente un kit. Non, il n'y a pas de kit à présenter. Enfin, on va jeter un petit coup d'œil. Ah, aujourd'hui, vous allez entendre le téléphone sonner, puisqu'en fait, ben, vous êtes à l'atelier. So, prepare your needles, your 10 cm hoops, your scissors, your glasses, your thread, and the printed fabric. And I remind you that all accessories are available in our website, in the supply section. Il y a tout plein de gens qui arrivent encore. Hein? And, ouais, et je finis en espagnol et tu me diras. Y preparas tus agujas, tu bastidor, tus tireras, tus hilos y tu tela impresa. Y te recuerdo que todos los accesorios están disponibles en nuestra página web en la sección de suministros. Bon dia, Bonata. Bonjour tout le monde. Et votre thé, il est là. Question. La licorne s'arrivait dans le poète. La licorne Salomé, Patricia, c'est pour, on a dit, mi-juin. Oui, c'est pour mi-juin. Pas tout de suite. Hein. Il va falloir patienter un petit peu. Bisous, ma copine Ophélie, qui brode ma fleur de vie. Je t'embrasse fort.
Allez, préparez le pouce, ouais, le fil sous le pouce. La pochette bleue peut servir de pochette à maquillage. Bah oui, Anne, hein, pochette à tout, accessoires, à lunettes, à maquillage. Alors on y va. Je vous montre vite fait, puis j'aurai ouais, des petits modèles à vous montrer pour la fin. Donc, nous allons commencer à travailler. Vamos a empezar la etapa 4. And we are going to start the fourth step. Donc, dans notre kit, tu peux. Rebonjour Karine. Oh, bonjour Daniel. Daniel te dit bonjour Karine. Bonjour. J'ai trop tardé pour commander la roulotte rupture de stock pour les cercles carrés. On n'a plus de cercles carrés, les filles? Si, si, on a des cercles, Corinne, hein, en 21-21? On me dit oui devant. J'ai tout le monde, c'est cool, sous le pouce, sous la main, là. Sous le pouce. Alors, on y va. Virginie, vous brodez la fleur de vie aussi. Super. Mais je prends plaisir à vous écouter, Nadia. Ben voilà, on y va, hein. Alors, vous avez donc dans votre kit la charte graphique ici, la carta de color, con los nombres de métros, les petits numéros qui sont ici, hein, à chaque fois pour vous donner le nombre de fils. Vous avez dans vos kits la toile imprimée, vous avez les accessoires, les fils, les fiches techniques. Tenemos todos para bordar este bolsito. Alors, on va faire aujourd'hui cette petite étape-là que vous voyez ici. Donc, on a quelques points, hein, vous avez vu à broder. Donc, l'étape 4, je vais prendre ma fiche technique. Merci, c'est Sylvie de créer l'album Live 4. Ah oui, essayez de poster dans le Live 4, dans les albums, vos photos, comme ça vous êtes sûr qu'on peut les retrouver facilement. Et puis voilà, donc notre étape 4, elle est ici. We are going to work this step, OK? Four, noir, on a un écran noir. Oui, un petit écran, mais ça y est. OK, c'est tout bon? C'est Non, bon? Karim, non, c'est bon, c'est au secours! OK, et donc nous allons commencer à travailler ce petit point de chausson ici qui est rebrodé. Donc, pour le broder, vamos a bordar el punto de escapulario rebordado and we are going to work the laced herringbone stitch. Karim, tu vas pouvoir mettre le nom. La couleur, c'est le 926. The color is 926. El color is 926. On va faire le point de chausson rebrodé. Ouais, tu l'as. Alors, pour commencer, on va prendre donc le fil 926. Bonjour Hélène. Vous allez placer votre cercle à broder. Hop, je vais me décaler un petit peu, moi. Voilà. Vous allez placer, on va faire un petit peu de netteté. Voilà. Et donc, on va commencer. We are going to start by fixing the thread on the back of the fabric. Vous allez commencer, vamos a empezar aquí, para bloquear el hilo, et vous allez bloquer votre fil juste ici. Alors, pour les débutantes qui n'ont jamais vu de vidéo, j'ai pris un fil, vous le pliez en deux et vous passez les deux extrémités dans l'aiguille et vous faites ce que je suis en train de faire. La lumière, elle va sur le Facebook, c'est assez clair ou pas? Parce que moi, l'image que j'ai est assez sombre en fait. Karine? Ouais? Ok. Et vous allez sortir. Il n'y a pas l'écran pour gauche? On a oublié? Karine, au secours! Il faut juste que tu présentes, c'est pour ça que tu as oublié sur le chat. Voilà. Alors, je vais me mettre ici. OK, we are ready for the left hand and it's OK para las sourdas. Yes, ou est-ce gaucher? Eh non, mais on s'habitue à tout, hein? Vous avez vu un peu? OK, allez, on y va.
Donc, vous allez faire votre point de chausson et vous allez suivre le dessin, c'est dire El Diburos, just follow the draw. Vous piquez au bout du trait et vous sortez un tout petit peu à gauche. Il est tout petit, hein, ce point de chausson. This is a very small Eric Bum stitch. Es un pequeño punto. Alors, je vais essayer de me mettre plus là pour les gauchères. Je ne sais pas, où ça a l'air d'aller, ou peut-être qu'il faut que je fasse un zoom, est-ce que ça convient là? Allez, on va essayer de faire un petit zoom. Comme ceci, avec un peu de netteté. This is a very easy stitch, hein? Just follow the draw. Vous avez vu, c'est tout simple. Vous piquez au bout du trait. Alors, je ne vais pas faire toute la ligne. Hein. Le fil passe au-dessus du point. The thread passes over the previous stitch. Alors, je vous avais dit que Chloé, elle vient de finir là, de travailler sur le guide des débutantes, hein, qui va être bientôt sur notre site internet à télécharger gratuitement avec tout plein de conseils pour débuter. Je pense que d'ici la semaine prochaine, ce sera prêt. Et je voulais remercier certaines d'entre vous qui nous ont aidés à la traduction de ce guide. Voilà. Dijo solamente que tenemos un, no sé cómo se dice en español, un guide. Annie, au secours. Una noticia para la señora que no sabe bordar et que la semana próxima estará disponible en la página web à cargar. On dit ça, télécharger. And I just say that we are working on a beginner guide to download free in our website in about, I think, next week. Voilà, alors moi, je vais arrêter là. I'm going to remove right now. Buenas tardes, Carmen. On va bloquer en passant sous les points. Et on va couper le fil. So you cut your thread. Vous allez maintenant le surjeter, ce petit point. Le rebroder, on va dire, avec le fil 3803. Vamos a rebordar el punto con el color 3803. And we are going to embroider with this color, 3803. Se podrá descargar gratuitamente la semana que viene un guía para principiantes. Oh, muchas gracias, Annie. Je récupère toutes vos fiches avec les traductions. Des fois, je n'ai pas le temps de les travailler, mais bon. La digne fille de sa maman pour la générosité. Ouais, elle bosse beaucoup. Voilà, et on est en train de préparer plein, plein de nouveaux modèles. Mais bon, il faut que ça suive ici aussi. C'est un peu dur. Hein. Il paraît que je fais trop de modèles, on m'a dit. Oui, je passe le message. Allez, on y va. Les chats font des chats. C'est ça. Alors, vamos a bloquear el hilo. Hop, je me mets ici un peu plus. Just fix the thread.
Alors, je vais expliquer d'abord en français et ensuite en anglais et en espagnol. I'm going to explain first in French and after in English. Y me voy a explicar en francés, en inglés y después en español. Alors, vous allez sortir l'aiguille à gauche du premier fil. Alors, on va faire de la netteté. Patricia, on dit vite Patricia, c'est pour t'encourager. C'est tout bon? Ok. Donc, vous allez sortir à gauche, à gauche du dessin, ok. Et sans traverser le tissu, vous allez passer l'aiguille sous le premier fil de bas en haut, comme ceci. Puis passez le fil de haut en bas, passez l'aiguille sous le deuxième fil de haut en bas. Voilà, et ça va former une petite boucle autour de chaque intersection. OK? So you bring the thread, alors on the left side, and with a contrasting color. You pass the needle en dessous, under the first stitch, from bottom to top, then under the second one, from top to bottom, without piercing the fabric. Alors en espagnol, sin perforar la tela, pasez la aguja por debajo del primer hilo de abajo hacia arriba y luego pasez el hilo por debajo del segundo de abajo hacia arriba y formando un bucle alrededor. De la intersection. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Il ne faut pas tirer trop fort. Hein? Don't pull too much. Y no tiras fuerte. Je vais essayer de faire un gros zoom. Est-ce que je peux faire plus? Voilà. Un peu de netteté juste pour que vous puissiez voir. Oula, ça parle portugais là. Mais moi, je ne peux pas voir les traductions. Que bon que aurait consigui entrar para asistir a live a o vivo. Bon dia a todas. J'ai adoré votre veste en jean que vous avez brodée dans le dos. Et le petit kit, il va être, on est dans les starting blocks pour les sortir. Les custos, ça va sortir mi-mai, là, dans 15 jours. Et vous avez vu, Raiki, il aime aussi, hein. Alors, en portugais, le point s'appelle Ponto Formiga. OK, super. Alors, ben moi, je vais arrêter là. Me voy a rematar. I just stop. Tu peux faire un peu de netteté, s'il te plaît. Et on va passer sous les points. Just slide between previous stitches and cut. Love the stitch. Thanks so much for the English too. Happy days. I'm happy to speak in English also. And if you can understand, I'm very happy. Well, proud. I'm proud. Régiane, bonjour, Régiane. And where do you come from? Happy days. Oh, happy days, oh, happy days. I love this name. Alors, on y va. On a fait notre petit point de chaussures brodées. Maintenant, on va faire le point de poste. Donc, we are going to see the bullion stitch and vamos a abordar el punto rococo. Alors, pour les débutantes, ce n'est pas un point facile, mais on va y aller tranquillou et puis on va y arriver. Et puis là, je le travaille d'une manière un peu particulière.
Un petit coucou des deux Sèvres. Bonne broderie. Hello Florence. Ok, donc vamos a ver el punto rococo aquí. Avec du fil écru. Con el color crudo. And the color is écru. Écru in English. Le point que je préfère, Myriam. Ben oui, je chante, Malika. Karine, il trouve que je chante faux tout le temps. Mais si, tu me le dis. Et j'adore chanter, je chante tout le temps, en fait. Enfin, souvent, en tout cas. Oui. Allez, on y va. Alors, avec ou sans cercle, les filles, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, le point de poste? Moi, je le brode sans cercle, normalement. Mais, mais j'avais oublié, c'était le pompon que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, on va faire le point de poste d'abord. Allez, on va le faire avec le cercle et sans cercle, pour voir comment vous le préférez. Faut-il faire en premier le point de chaînette avant le point de poste? Non, Sylvie, ça a peu d'importance. Hein? Bonjour, Tété. Pas de cercle, pas évident, point de poste, aiguille mode. Oui, Malika, c'est vrai qu'on a les aiguilles mode, hein, j'ai oublié. On en a plein en plus là derrière, alors j'ai oublié de les prendre. I just prefer to embroider this stitch without hoop. A mí me gusta sin el bastidor. Pero vamos a ver con el bastidor y después sin el bastidor. OK? Salut Annie, Rochette, à plus tard. Marine avec les aiguilles mode. Estelle, je suis dans la voiture. Ah ben, elles se disent bonjour, c'est cool. Allez, on y va. Est-ce que quelqu'un peut m'amener une petite pochette d'aiguilles mode pour les points de poste? Comme ça, je vais les montrer. Alors, il y a une capote avec sans cercle. Il y aura avec et sans cercle. Je vais faire avec les deux. OK? I'm going to embroider this stitch with hoop and without. Y me voy a bordar una vez con el bastidor y una vez sin el bastidor. Pero, muchas gracias. Voilà. Ça, c'est sur les conseils d'Odile. On a ces aiguilles Bohain qui sont très longues, donc beaucoup plus faciles à utiliser avec un petit chat. This is needles for this stitch. They are longer. And es agujas para utilizar por este punto. Voilà. Bonjour, La Réunion. Voilà nos aiguilles mode. Donc, vous avez des petits paquets sur le site avec les tailles 9. Ou bien des petits paquets avec toutes les tailles. Voilà, son paquete con diferentes tamaños. And solamente el 9 aquí. Elles sont top ces aiguilles. Bah ouais, elles sont top, mais j'y ai pas pensé là, franchement. Allez, c'est pas grave, on y va. Alors, on prend un repère. Una marca para empezar por aquí. Just take a mark. To start. Merci Sandrine pour le lien. Comme ça, vous pouvez les retrouver. Alors, on prend notre petite marque. On commence. Je vais être vite handicapée, moi, avec le cercle. Hein. Alors, vous sortez ici l'aiguille. Odile, qu'est-ce que vous recommandez comme taille? C'est la taille 9. Après, c'est vrai qu'avec les assortiments, vous avez le choix et vous pouvez essayer diferentes tamaños de agujas. Alors, vous sortez. Vous piquez ici. Et vous ressortez juste à côté du fil. Ici. Alors, est-ce que je l'ai ici? OK. So, you bring the needle to the front. You pull the thread through. And you take to the back and re-emerge very close. The thread is on the left side of the needle. On y va comme ça. D'abord en français. Et vous allez tourner. Une fois. Est-ce qu'on voit clair? Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf,
10. On va beaucoup tourner pour que ce soit joli là. 11, 12, 13, 14, 15 et je pense à peu près 16 fois. Ok? Elle a répondu quoi, Odile? Pour la tête de l'aiguille, ça ne fait pas de l'effet. C'est ça. Ouais. Non, Isabelle, ce ne sont pas les mêmes. Les aiguilles mode, c'est que pour les points de poste. Elles sont différentes. Beautiful singing. England, your English is fab and so clear. My French is rubbish, but the video is really clear too. Good. Alors, donc vous ne tirez pas trop fort. Hein? Don't pull too much. And now, et maintenant, vous allez prendre l'aiguille, voyez, et vous allez retenir les petits points sous vos doigts et tirer votre aiguille jusqu'au bout. Et lorsque vous êtes ici, vous allez régler les points. Alors, j'en ai fait 16. Hein. Je pense que j'aurais pu en faire un petit peu plus. ¿Cuánto mide de largo la hebra de hilo para montar en la aguja? Son solamente dos hilos, pero piense 20 vueltas. Je pense qu'il faut, il faut en faire à peu près 20. J'en ai pas fait assez sur le premier. Hein. Voilà. Et à la fin, vous allez piquer sur l'arrière de la toile. Et vous ressortez, vous piquez. Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit joli, c'est soit vous faites peut-être un petit point de maintien, regardez. Ici. You can make a small stitch to fix if you want. ¿Es posible de hacer un pequeño punto para fixar el punto? C'est pas obligé. OK? Salut Peggy One, sortie du kiné et hop, rentrée pour le SAL, c'est la course. Alors, au ressort, on va faire 20 tours. Mais voy a explicar después en espagnol y en English also. But now in French. Donc, vous sortez, vous piquez au bout. Vous ressortez juste à côté du point. Et vous allez, ah, on a de la visite, il faut pas faire de bruit, on est en direct. Bonjour. Et vous allez tourner l'aiguille une vingtaine de fois. Philippe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on va voir la différence. Alors. Donc, vous ne tirez pas trop fort hein, quand vous passez votre fil. Ah, je ne suis plus dans le centre. Ah, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec le cercle. Donc, vous voyez, j'ai du mal, j'ai trop tiré. Voilà, ça y est. Vous tirez, vous tirez, vous tirez jusqu'au bout. Alors, j'ai mes fils, j'ai fait une bêtise, mais pas grave. Eh bien, si, c'est grave, puisque mes fils se sont mélangés. I just make a mistake. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas remonté l'excédent de mon fil. Donc, il s'est pris dans les petits tours. Alors, eh bien, c'est bien, on va voir. Tengo un problema. Et je pense que je vais être obligée de couper. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Ah si, I'm going to cut everything. Je vais tout couper. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait cette bêtise. I'm going to tell you what is the problem. Tengo un problema. El profesor también hay problemas. Alors, on va y aller. C'est sportif. On va enlever le cercle. Je vais vous expliquer quel est le problème, en fait. I'm going to tell you why I've got a problem.
La première chose qu'il faut faire et que je n'ai pas faite, c'est que le retour du fil, ici, ce petit retour-là, il doit être le plus haut possible pour ne pas se prendre dans les tours. Just have a look. This part, I don't know in English the name, but this part need to be on the top to pour éviter, comment on dit en anglais, éviter. Because the thread don't have to be on the wraps, okay? This is a problem I just made. Allez, on y va. Je pique, je sors. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça va mieux sans le cercle. Hein. Je passe. Voilà. Et je pique. Éviter. To avoid. Ben oui. Merci. On a des cours d'anglais. C'est trop cool. Alors, ce que je vous propose entre chaque, c'est de bloquer votre fil derrière. Just fix the thread between two stitches. And lo que puedes hacer es de bloquear dentro cada punto el hilo. Allez, on y va en anglais? Ou c'est pas la peine? So you take the needle on your between your thumb and the finger. First, you go down. You emerge just near the previous thread. You wrap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, il y a ma fille! Coucou! Elle est à la béguide. 15, 16, 17, 18, 19, 20. T'apprends le point de poste, Chloé? So, you need to make 20 wraps. And just with your finger, you fix the wraps and pull the needle. And be careful. The wraps are just over there. And you need to keep them, to fix them. Ben, c'est pas forcément nécessaire, le petit point de maintien. Vous pouvez le faire si vous avez besoin, sinon vous ne le faites pas. Vous voyez, avec 20 tours, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Regardez, c'est joli aussi. Ça, c'est 100. I just say that you don't need to make the small stitch to fix. It's what you prefer. And dire, OK. Si querías, no es necesario de hacer el pequeño punto para bloquear. Depende de lo que tú prefieres. Oye, là, elles sont libres. Ok. So, 20 vueltas es muy bonito. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, malgré le point que j'ai mal fait, que j'ai défait? C'est tout bon? Ah, Chloé, tu as plein de messages, hein? Ah, mais il y a Chantal aussi. Hello, Chantal. Un beso. C'est tout bon pour tout le monde? On passe à l'autre point? It's okay if you have question about this stitch. It's now. Si tenéis preguntas. Non, c'est tout bon. Chloé, c'est bon pour toi le point de poste aussi? Rassure-moi, hein, tu maîtrises, hein? Oui, 20 tours. Et il n'y a pas besoin de fixation. Ouais, je pense aussi, Odile. Donc, on va bloquer notre fil. C'est ça. Pour moi, c'est du chinois. Arwen Kientol, c'est quoi le chinois? C'est le point qui est trop compliqué? L'erreur est humaine. Oh, j'en fais souvent des erreurs. Il y a comme ça qu'on progresse. Hein. Parfait. Chloé a dit parfait. On peut passer au point suivant. Juste pour info, ma fille, elle ne veut pas tenir une aiguille. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc, je me moque d'elle. Hello, Chantal. on passe au point suivant. Alors, on va faire le petit pompon, si vous avez envie.
Alors, notre petit pompon, il est où dans ma feuille, que je ne fasse pas de bêtises? C'est ça. Ah oui, alors je vais vous montrer. Donc, quand vous aurez fini vos petits points de poste, ils seront là. OK. Et là, les pompons sont ici. So, we are going to see how to make the tassel. And vamos a ver cómo hacer el pompon. Ouais, le point de poste, il n'est pas évident. Il faut le travailler un petit peu, Chantal, ouais. Ah bah oui, Merwen, si vous n'avez jamais essayé la broderie traditionnelle, il ne faut pas commencer par le point de poste. Hein. On a plein de points qui sont quand même beaucoup plus faciles. Ah, Elisabeth a réussi. Ouais, Chloé, elle est allergique aux aiguilles. Je crois qu'elle m'a trop vu broder depuis des années. Voilà. Allez, on y va pour le pompon. Juste, je cherche mes petites explications. Je ne sais pas où je les ai mises. Ah, les voilà. Alors, on va prendre la fiche technique. On va faire le petit pompon ici avec. Alors oui, il y a une petite erreur. On a fait une petite erreur sur la fiche technique. C'est deux fils, ce n'est pas six fils. Tenemos un problema en la fiche technique. No son seis hilos, pero solamente dos hilos. Un hilo doble. And we have a small error. It's not six threads, but only two threads. It means you need to use three threads for the palestrina stitch and two threads pour le pompon. Vous avez besoin d'utiliser trois fils pour le palestrina et deux fils pour le pompon. Et en espagnol, necesitamos de utilizar tres hilos por el palestrina. Y solamente dos hilos por el pompon. OK? Alors, on va les corriger hein, sur les fiches techniques. La petite erreur. Cherche mon cercle à broder que j'ai perdu. J'en ai partout autour de moi. Et on y va pour le pompon. Alors, vous placez votre cercle au centre. Vous prenez votre fil double. Et vous voyez, on a une petite marque ici. Voilà. Est-ce qu'on la voit? On va descendre à peu près là. Voilà. Alors, vous allez bloquer votre fil. Hop, je me mets ici, à ce niveau-là, ou bien en haut, si vous préférez. Moi, je préfère le bloquer en bas. Alors, pour vous donner une idée, est-ce que j'ai un stylo friction? Ouais. Vous voyez, on va faire un petit trait comme ça. Just make a small line. Solamente una pequeña linea. Et on va bloquer notre fil ici. N'y a pas de question? Alors, je n'ai pas de petite bouclette, donc ce n'est pas grave. Je vais bloquer. Je vais commencer avec des fils. Voilà. Et donc, je vais sortir mon fil. You emerge your needle. Ça va être une série de, oui, une série de points lancés. Son punto lanzados muy juntos. This is a series of very tight straight stitch. OK? Alors, you emerge your needle and you go here. Et vous sortez juste à côté. And we emerge close from the first one. Okay. En espagnol, me interesa aquí el PDF. ¿Cuál marca de hilo usan? DMC, Elvia. DMC. Pinchar siempre en el mismo agujero por aquí.
y salir al lado del último punto. On va faire un petit zoom peut-être. Oups. Donc, vous allez à chaque fois piquer dans le même point au centre et ressortir juste là. Oui, un fil double, Odile. OK. And you go down always on the same hole. Vous allez toujours dans le même point en haut. Et nous utilisons deux fils. You just use two threads. Utilizamos dos hilos. Bonjour Edwige. Et vous faites du fil à fil en bas. Hein. Les points se touchent vraiment. OK. On en fait combien, s'il vous plaît? Je ne sais pas, je ne vais pas compter. Combien il y en a? Un, deux, trois. Je ne sais pas, j'en ai bien fait une bonne dizaine. Hein. Mexico, IDM, se me encanta su bordados. Muchas gracias, Elvia de México. Mais Sylvie, vous êtes une super assistante. Vous êtes au top de la gestion des groupes. Allez, un dernier. J'en ai plusieurs, hein, des assistantes maintenant. C'est trop bien. Merci à vous toutes. Alors, voilà, ça c'est le dernier. Et maintenant, on va faire notre petit point de maintien. We are going to make the last stitch to fix the threads. And vamos a hacer el pequeño punto por bloquear los hilos. Coucou Patricia. Ah, bon, ils font à peu près un petit centimètre et demi, à peu près. Attendez, je vais prendre. Qu'est-ce que je peux prendre pour me rendre compte? J'ai pas de réglage. Karim va m'en chercher un tout de suite et on va vous répéter, on va vous montrer. Alors, vous allez sortir à peu près 5 mm du haut, salir la aguja à 5 mm de bas, arriba. Just immerse the needle at about 5 mm from the top. Et vous allez piquer en face en essayant de glisser un peu l'aiguille en dessous. And go down on the left side and try to pass the needle under the stitches. Empinchar la aguja a la derecha y traer de lisle la aguja abajo los hilos. Et regardez, yups! Voilà, et pour votre information, je vais vous répondre. Entre la base et le haut, j'ai été large, hein, je vous ai dit 1,5 cm, il y a 1,2 cm. El tamaño es 1 cm, 1,2 cm. OK? Es la distancia. The size of the tassel is about just a little bit more than 1 cm. Si on peut rentrer là, un peu plus d'un centimètre, un petit peu plus d'un centimètre. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou vous voulez que je refasse un deuxième et on va compter le nombre de passages? Allez, on va en faire un deuxième. We are going to make a second one just to see how many stitches we need to do. Vamos a hacer un otro para ver cuánto puntos necesitamos de hacer. Alors, je vais prendre, j'avais pas enfilé mon fil, donc c'est le bleu.
C'est 3318. Alors, el segundo es el número, perdone, el número dos, aquí, le numéro 2, the number 2, and the color is 318, la couleur 318, the color 318. Alors, hop, just time to. 318. Bon, je ne l'ai pas sous, je l'ai pas avec moi, ce n'est pas grave, je prends un autre fil. Hein. J'entends mon chéri qui mange derrière. C'est trop en même temps, c'est trop fort. Alors. Hop, le violet. Ok. J'ai préparé mon fil et on va y aller. Just, c'est ici à peu près. Moi, je le fais à l'œil. Hein. Juste un point en haut du pompon. Oui, juste un. Juste entre le troisième et le quatrième trait de gauche du point. Oula, je n'ai pas tout compris, mais je vous laisse. Je vous laisse discuter entre vous. Allez, je bloque. Là, je bloque en haut. Vous pouvez bloquer un coup en haut, un coup en bas. I just say that you can fix the thread on the top or the bottom. It's the same things. Tu peux La faire un peu question de sur netteté? Ouais. l'appel. Bah écoutez, on va voir en fonction du nombre de points, mais on est à 7 mm. OK? Ah là là, vous voulez de la précision, hein? Allez, on va compter le nombre de passages. Un passage. Dos veces. Trois passages. Moi, je crois que je préfère commencer par le bas, en fait. Hein. Quatre. Cinq. Six. Hop, ça va là. Sept. Il est plus petit, celui-ci. 9, voyez, 9 ou 10 à peu près. Hein. Ouais, enfin, j'ai fait 9 alors. Ça fait 9 passages à peu près. About 9 times, 9 pasos. Il est plus petit. Este es un poquito más pequeño. OK? Hello Isabelle. Alors, 9, 10 passages, vous voyez, 8 passages. Allez, on va passer au point suivant. Vamos a ver un otro punto ahora. Est-ce que ça va pour les gauchères aussi? Es ok para las zurdas? Is it ok for the left-handed woman? Voilà, le pompon, ça c'est fait, le point de poste, le point de chausson. Donc maintenant, il nous manque le point d'épine. Vamos a ver el punto de esquina. And we are going to see the feather stitch. Qui est ici? Alors. Voilà. It's from top to bottom. Les trois pompons ne sont pas de la même grosseur, Sylvie. Si, normalement, ils le sont, mais moi, le deuxième est un peu plus petit. Vous faites comme vous voulez, en fait. Hein. Le blanc, il a l'air d'être un petit peu plus petit sur la fiche technique, vous voyez? En effet. Voilà. Vous faites un peu comme vous avez envie, ce n'est pas très important. Vous pouvez passer une fois ou deux fois. You can make two or one or two stitches to fix them. Est-ce possible de faire deux points
Or un punto, depende de lo que tu quieres. Et Odile, elle dit qu'elle pense qu'il vaut mieux les faire identiques. Bah, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et donc, on aura les points de Palestrina ici, hein, ici avec nos trois pieds. Alors, vamos, le point d'épine. Alors, el color del punto de espina, the color is 3041. Es el color del punto de, de espina. 30, c'est un violet, hein, 3041. Ok? Arwen, ça se dit Arwen. Vous trouvez ça trop beau, hein? Il va falloir vous y mettre à la broderie alors, hein? Mais vous pouvez commencer par quelque chose d'un petit peu plus simple. On y va? Celui-ci, il est déjà un peu plus facile. Vous allez sortir votre aiguille ici. Just immerse the needle on the top. Hop. Vous ne coupez pas à la base. À la base, je ne sais pas de quoi vous parlez, Annelies. Hop, je glisse et je fixe. Vous ne coupez pas la base. Annelies, reposez-nous la question de manière à ce que je puisse... j'ai dû louper un truc, moi, pour vous répondre. Alors, regardez. Je me centre, la neuroédie. Alors, je me centre. Vous allez mettre le fil sous le pouce. Alors, en fait, c'est rigolo, vous allez voir, parce que c'est le même point pour les droitières et les gauchères, simplement, il est inversé. Hein. Donc, quand vous allez regarder sur la partie de gauche, les gauchères, et c'est ainsi que vous ferez le point. Bon, peu importe. Oui. Est-ce que, à la base, ah non, moi, je ne coupe pas le tampon. Je coupe pas du tout à la base, hein. Je le laisse comme ça celui-ci. C'est pas un point de mal, Tanik. Hein. Voilà, bah Armel a fait la réponse en même temps que moi. Vous coupez pas, je vous remontrerai tout à l'heure. Alors, you keep the threads under the thumb and los hilos están abajo el dedo. Vous piquez ici. You go down on the right side and emerge at the intersection. Vous sortez votre aiguille, vous piquez en haut du petit trait et vous sortez à l'intersection. L'aiguille, elle passe au-dessus du fil. Et pour aller à gauche, vous basculez votre fil. Regardez, la boucle est là. Vous basculez à gauche. Vous tournez un petit peu votre cercle, vous piquez et l'aiguille passe au-dessus du fil. Et hop, 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 hop. C'est ça. Je suis sortie du champ, j'ai du mal aujourd'hui, hein, on dirait. Alors, cuando tú estás a la derecha, pinchar al principio de la linea y salir a la intersección, comme este. La gourra por par-dessus, j'ai oublié. J'ai oublié, c'est pas grave. Et ensuite, à gauche. Comme ceci. Et on continue. Beautiful Android doing French in three languages too. I have to go pick up my kids, but thank you for this amazing demonstration. Thank you very much for your confidence at today's. Bye bye. See you next time. And just to know, I'm going to just follow our actuality because we are going to make the trailer SAL all in English for USA also. Je vais faire le SAL de la roulotte avec mon distributeur américain en même temps qu'en français, si vous voulez progresser en anglais. Allez, on y va. C'est tout bon, je pense, hein? Le point d'épine. It's okay for everybody?
Est-ce OK para todas? C'est bon? Allez, me voy a rematar. Voilà, alors je voulais vous montrer, on a vu les points qu'il fallait voir aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer quelque chose parce qu'on n'a pas eu, on ne l'a jamais fait, je crois, ensemble, celui-ci. C'est ce point qui est ici. Voilà, il est là. C'est un point de piqûre, ce petit dessin-là. Karine, tu peux enlever les gauchères, s'il te plaît, et puis le nom du point d'épine. OK. Donc, on va broder. D'abord, vous allez broder les points de piqûre. First, you need to embroider the backstitch. On l'a vu la semaine dernière, hein, le backstitch. Primero, el punto de pespun en los dos lineas. Et après, on va passer un fil de coton perlé. Alors, moi, je ne l'ai pas enfilé, mon fil de coton perlé. Je vais voir si j'ai mes aiguilles avec moi. Je n'avais pas prévu. Ma petite pochette bleue, elle est où? Bon, sinon, je vais utiliser du coton perlé. C'est pareil pour moi. Mais je ne la vois pas, la pochette bleue. Ah oui, elle est là. Voilà. Pour le coton perlé, du coup, je vais prendre une aiguille un petit peu plus grande. Ce sera plus facile. Je vais prendre du 7. I'm just going to use the number 7 for the curly cotton. Es una aguja más grande para enfilar el hilo de coton perlé. Alors, d'abord... Vous voyez, j'ai fait des petits points de piqûre. Aquí son los puntos de pespun. OK. And just you embroider for the beginning the back stitch. Ce qu'il faut faire, c'est bien les faire, je l'ai en espagnol, en face à face. Et vous prenez un fil de coton perlé. Vous enfilez. Vous voyez, ça va tout seul hein, dans une aiguille 7, c'est plus facile. Hein. Vous coupez votre fil à 50 cm, you cut the thread by 50 cm. Je fais un tout petit nœud au bout et je vais bloquer mon fil, hop, en bas. Et puis, Karine va pouvoir remettre la gauche, le plan de gauche. Salut Virginie, bonne journée, bon après-midi. Bye bye. Alors, je te laisse faire un peu de netteté. Bah, les points la longueur des points avant, je les ai faits, ils font à peu près 2-3 mm. OK? Faut pas les faire petits, c'est sûr. You need to make the back stitch about 3 millimeters. No less. And la distancia, la tamaña de los puntos de pespun es aproximadamente 2-3 millimeters, pero no pequeño. Alors, vous allez sortir. Oups, je regarde mon petit modèle. Vous allez sortir au milieu ici. OK? Comme ceci. Ce n'est pas un point, c'est un point arrière qui est rebrodé. Il n'y a rien de particulier. Au revoir, Nicole. Et vous allez passer sous le deuxième point. Délisse-les. Abajo el segundo punto. Vous passez sous le premier. Sans tirer trop fort.
Vous passez sous le deuxième. Voyez, je travaille avec le chat de l'aiguille. Hein. Puis sous le premier. Vous passez sous le troisième. Alors, si vous avez du mal, ben, vous utilisez l'aiguille, la pointe. Il ne faut pas trop tirer hein, vos points avant. Vos points de arrière, pardon. Point arrière ou point de piqûre. On a dit c'est pareil. Hein, c'était la semaine dernière. So don't pull too much. No tiras fuerte. Donc en fait, vous passez deux fois sous le même point. Vous avez vu? Hop. C'est tout simple, hein. Au revoir, Arben. Et voilà. Et vous continuez comme ceci. And you continue in the same way. OK. Alors, on va faire un petit récap de l'étude d'aujourd'hui. Il n'y a plus de son? Oui, si. Si, il y a du son, Daniel. Vous devez avoir un petit souci. Alors, vamos a ver el trabajo que necesitamos de hacer para la próxima etapa. We are going to see what you need to do for the next step. Alors, hop, en gros, voilà. Alors, vous allez aller jusqu'au bout. You just need to continue all the line here. Necesitamos de hacer toda la línea aquí. On a des petits points avant avec le fil argenté. Running stitch here with the silver thread. Et punto de hilvana con el hilo brillante. Donc ça, on l'a vu. Este es OK. Un punto de cadeneta, un petit point de chaînette une fois que vous aurez fait les points de poste, the chain stitch, when you are finished the bullion stitch. Ensuite, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Là, on a une petite ligne de palestrina, encore ici, à la fin de la pochette, vous saurez toutes bien broder le palestrina. This is a palestrina stitch here. El punto de palestrina aquí, un petit point de chausson à nouveau ici, et nos trois petits pompons avec le point d'épine et le petit point avant ici. Voilà, donc ça c'est votre travail pour la semaine prochaine. Vous allez vous régaler hein, parce que, enfin, vous allez vous régaler. Oui, il y a beaucoup de points de palestrina, moi je l'adore, donc en tout cas ça va être une bonne étude pour vous. Voilà. Donc, on a fini. Je voulais juste, avant de vous quitter, si vous avez des questions, c'est le moment. Je voulais vous montrer des petites nouveautés qu'on vient juste de terminer. Ce n'est pas pour tout de suite. Ça va être pour le mois de juin, je pense. Mai, juin, je crois. Voilà, donc on s'est amusé à faire école supérieure de palestrina, ouais. Est-il préférable de faire le point de chausson avant le palestrina? Peu importe, ça n'a aucune importance, Carole. C'est comme vous voulez. Alors voilà, je me suis amusée à broder donc avec ma collègue qui m'aide aussi à broder. Maintenant, le soleil et la lune. Alors, c'est un modèle qui est dans du 15 cm, mais on pourrait très bien imaginer broder sur une veste en jean dans le dos. Hein. Moi, ça me plairait aussi. On a fait son modelo por el mes de junio. This is a new model for the June, for June. Voilà. On a fait notre petit Sacha en pirate. Voilà, ça c'est pour pas oublier nos petits mecs, hein, parce qu'on fait beaucoup de Salomé, mais pas beaucoup de Sacha. Et puis celui-ci, je suis en train de le broder, je ne l'ai pas fini. Mais vous voyez, je trouvais que c'était un peu vide à l'extérieur. Je ne sais pas si je vais broder ce papillon ou pas. C'est une petite ampoule avec des libellules. Les couleurs sont juste magnifiques. On est sur des violets, des oranges. Et voilà, tout ça, c'est pour le début de l'été. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Merci à toutes. Pas facile d'écrire dans la voiture. Ben ouais, Françoise. Hein.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez de quoi travailler. Et puis voilà, bah écoutez, la semaine prochaine, ce sera en direct de la Baie d'Uda. Je vous embrasse, faites bien attention à vous. Ciudade, un beso a todas. Et hasta la próxima vez, el próximo live es próxima semana. And just, you say just a kiss, bye bye. See you next week for the next live, next tape. Et take care of yourself. Bye bye. Beso, beso.